Salut à tous et à tous, c'est le BDZ, on se retrouve pour la suite de la carrière sur F1 2013. Bien, on se trouve pour le Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring. Et ce week-end, c'est un week-end très spécial. Pourquoi ? Eh bah parce que déjà en 1, on a un test de frein. 2, c'est une course importante pour l'équipe. Je ne sais pas pourquoi. Et de 3, ils vont décider de notre statut entre moi et ce petit trouduc là-bas. Voilà. Donc, eh ben, il va falloir être très fort ce week-end. Yes. Bon. On va faire l'objectif R&D. Voilà. Ah, t'es pas dit. Ok, j'ai juste un... D'accord, juste un petit problème de frein, 2 secondes. C'est bon. Enfin, c'est à peu près bon. Oh, vas-y, pardon, basse. Et j'arrive pas à utiliser mon kers. Ok, d'accord, ma manette qui a décidé de vraiment bugger aujourd'hui. Il faut rester dans la trajectoire ou c'est le frein qu'il faut utiliser? Je pense que c'est la trajectoire, j'ai pas bien compris. Comme je suis occupé avec le problème de ma manette. Que je comprends pas, bien sûr. Ah, mais manette de secours, apparemment là, elle va pas durer longtemps. Ah, ça y est. J'arrive à utiliser mon kers. Enfin, c'est pas... Ça marche pas très bien. Ah si, ça y est. Bon, je réapprends un peu le circuit quand même en ce même temps. Bah sinon j'adore ce circuit, il est génial. J'aime cette manette de secours, mais bon. C'est pas grave, tant pis, on fait avec. Ah
Allez, troisième et dernier tour du R&D. Non, en fait c'est la touche L2 qui s'est mis à bugger un peu comme si elle se bloquait. J'ai la touche L1 qui fait ce qu'elle veut quand elle veut, et la touche L1 apparemment pour l'instant aujourd'hui ça marche. Bizarrement, non. Bah alors j'ai pas trouvé de réglage spécifique pour la Force India. Donc tant pis, on fera sans. C'est pas non plus très très grave. Du moment qu'on fait un bon grand prix dans les objectifs demandés, ça le fait. On s'arrête ici. Merci beaucoup. Bien, allez, on rentre au garage. Ah, j'ai la touche L2 qui se bloque un peu, donc bon bah. Voilà. J'ai beaucoup de chance moi avec les manettes, c'est incroyable. Tant pis, c'est pas grave, hein. On fait avec. Enfin bon, j'espère qu'elle va quand même tenir. Enfin bon, elle va pas tenir longtemps, mais bon. Tant pis, on verra, on fera en sorte. Sinon, touche L1 qui bug. Bah attendez, je vais faire un truc vite fait, vous inquiétez pas. Toc. Voilà. Bon, allez, j'espère que ça a marché. Bon, on va se diriger vers ouais, bon, on va se mettre un petit réglage rapide. Je voudrais un poil plus de vitesse max, un peu moins d'appui. Même si c'est quand même un circuit. On va tenter. Hein, tenter. Tant pis. Hein. Si ça marche pas, bah. Zut. Si ça marche, tant mieux. Allez. On va se diriger vers les qualifications qui sont en plus. Ouais, donc je serai un peu quand même dans la merde puisque j'aurai pas assez d'appui. Mais le jour de la course, il fait beau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dur comme réflexion. On verra bien. Parce que là, c'est un réglage pour le sec. Sixième. Donc, si je fais sixième aux essais. Je suis capable avec cette voiture de faire quelque chose de bien en ayant le réglage neutre. Donc réflexion faite, on va rester en réglage neutre. Il faudra juste qu'on se mine le cul pour faire un temps du siècle. Bon, ça va être dur avec une manette qui marche à moitié, mais comme d'habitude, on se débrouille. Aucun problème. Pas problème. Bon, apparemment la pluie ça tient pour l'instant. On va se bouger le cul pour faire un temps. Ceci, c'est bon, on peut le voir. Voilà, donc il faut se bouger le cul. On va faire un temps. Encore une fois, la touche L1, ça marche pas très bien. La touche R1, oui, mais pas la touche L1. Bon, tant pis.
Bon, je réapprends un peu le circuit. Ah non. Concentration maximale. Wow, oh, il bouge. Le voyant de carburant s'est allumé. Il va falloir que tu t'arrêtes au stand dans les deux tours qui arrivent. Sérieux, t'es sérieux? Ah mais je vous jure, moi je l'adore ce circuit, il est génial, il est pas trop dur. Il y a quelques petites difficultés, mais c'est un circuit qui vraiment est fait pour tout le monde. Il est génial ce circuit. Putain, le temps que j'ai pété. Une 35-0. Oh, j'ai fait mal, mais le premier secteur, regardez, mais je fais mal.
Je l'ai sodome dans le premier secteur. Mais d'une force surhumaine. C'est incroyable. C'est plus d'une seconde une dans le partiel 1. C'est impressionnant. Je fais un partiel numéro 1 ultra rapide. J'espère que je vais le faire tout le long du truc, mais bon. Comme d'habitude, ça commence toujours bien, puis au fil du truc, ça va pas très bien. Mais quand même, là, ça prouve que quand même, sur ce circuit, le premier secteur, bah, je sais pas. Je sais pas comment je fais, mais j'y arrive. Le deuxième, un poil plus chaud, et le troisième, bah, c'est vraiment, là, il faut tout garder, tout ce qu'on a dans le bide, et il faut tout envoyer, quoi. Faut tout envoyer, là, quoi. Bon, allez, la coup 2, la coup 2, la coup 2. Dépêche-toi, pas que c'est à foutre. Alors, la Q2, c'est parti, nos trois petits tours, et après, on ira en Q3 si on passe. Et si on passe pas, eh ben il pleut. Champneuslick. C'est moi ou Champneuslick là? Ou Champneuslick Inter. Ouais, bah je crois pas que je vais passer la Q2. Ouais. Ouais, je suis en pneu de plus. Enfin, intermédiaire parce que. Ils m'ont pas mis le DRS, il est désactivé. Et il ne s'active que si on a les pneus slick, c'est-à-dire par temps sec. Ou conditions convenables aux pneus secs. Là, ça va être beaucoup plus chaud en pneus plus. Bah là, légèrement, si on passe, c'est un miracle. Oh là là, bon on peut faire mieux parce qu'on a quand même fait pas mal de conneries. Putain, pourtant j'ai fait aussi rapide que tout à l'heure, j'ai une seconde 5 de retard, lol. La blague. Température. Ouais, il y a le moteur qui chauffe. Oh, chiotte, ça y recommence. Ben. Ah, je déteste la pluie.
Ouais, c'est inconduisible. Il pleut trop. C'est... Ouah, papa, ouais, c'est plus... C'est inconduisible avec les pneus. On est obligé de s'arrêter, les pneus inter sont même plus de... sont même plus efficaces. Ils sont carrément les pneus pluie. Vous avez vu, hein. On a fait quand même deux tours, il n'y avait pas grand monde dehors. Donc, vous voyez, les slicks qui sont détrempés, enfin les inter, ils sont détrempés. Ça sert fichtrement à rien de continuer avec ça. Bon, on va passer un peu. Il y a beaucoup de monde sur la piste. On devrait peut-être attendre notre tour. Ah, on est pile poil dixième. Regardez, c'est même avec la pluie. T'es sur la première ligne de la grille. Vous avez vu? Vous avez vu? Voilà. Rien qu'en changeant les bons pneus, voilà. Pan. Pan, niqué, voilà. C'est tout. Eh, c'est incroyable. Parce que les inter là, il pleut trop, vous avez vu, il pleut trop, beaucoup trop. Voilà. Deuxième. Eh, et Q3, on fait 3, c'est ça? Bon, allez. Réduisez un peu la pluie là, qu'on passe un peu en inter, ça ira un peu mieux déjà, parce que déjà trop de pluie, moi j'aime pas du tout, j'aime pas du tout, parce que tout le Grand Prix vous êtes là en glissade en train de faire secours, et après quand ça sèche, bah vous êtes bien dans le caca parce que vous savez pas ce qu'il faut, enfin c'est difficile à... Oh là, vous avez vu, direct ils nous ont mis les pluies. Voilà, et donc après on se fait dans le caca parce que bon bah des fois ça sèche, on sait pas trop, on réfléchit et tout, et voilà. Allez, cette Q3.
Ouah, c'est passé tout juste. Allez, allez, on peut le faire. Sixième, ouais, c'est pas mal. Enfin, huitième, c'est dur. Merde. Ouais, mais elle a qu'à pas me casser des couilles. C'est tout. Ouais, mais j'ai droit à un troisième et dernier tour. Putain, merde, la pluie affaiblie. Enfin, elle a un poil réduit. On va aller finir cette putain de pneu. Bête. Nyaah. Vilain. Ouais, bah c'est que. Oups. Voilà. Allez. Allez, allez. Tant pis. Ça passe ou ça casse. De attention. 8ème. Dans leur objectif. Boum. Allez. Ah bah voilà.
Bon, on a fait des qualifs solides. Voilà, des qualifs solides. Surtout qu'on a commencé sur le sec, on avait pété un temps incroyable, et là on a quand même réussi à faire deuxième, et puis après huitième dans cette troisième partie de qualif, dans l'objectif donné par l'écurie. Donc c'est pratique, ça nous donne encore des points. On a battu notre coéquipier en qualif, on gagne l'objectif donné en qualif. Donc là, il reste plus qu'à faire une course, bah, une course d'anthologie. Là, faut vraiment faire la course d'anthologie, là. Allez, pour la course normalement. C'est sur le sec. Il fait un beau soleil en plus. Une belle journée pour briller. Voilà. Allez, on y va. C'est parti tôt pour ce Grand Prix. En plus, on aura des pneus tout neufs. Comme on a fait des pneus pluie en qualif 2. Donc, on aura des pneus options tout propres, tout beau, tout neuf. On va pouvoir y aller, quoi. Bon. Allez. Quand tu veux. Bon bah je vous retrouve à tout à l'heure à un moment opportun. Il nous faut un bon résultat aujourd'hui. C'est la course à domicile pour notre constructeur. On a fait un excellent départ. Bon, j'ai dû recommencer parce que à cause du truc de pénalité, j'ai eu peur de la pénalité. Comme l'autre, il s'est mis devant moi, cette espèce de couillon. Et oui, j'ai compris. Ça y est, on est à domicile parce que c'est le constructeur Mercedes. Super.
Fou, c'est chaud. Ok. On dirait que l'aileron avant de la voiture derrière est légèrement endommagé. Mais ça n'a pas l'air d'influer sur ses performances. Ne lâche rien. J'ai un peu mal avec ces deux enchaînements là, mais bon, c'est pas grave. Ah, mais sérieux. Mais non, je fais le con, je fais le con. Là. Faut que je me concentre. Désolé, faut que je me concentre. En plus, c'est Hamilton qui veut me doubler dans... alors que j'étais dans ma trajectoire, lol. Ouais, maintenant ils sont morts. Les pneus commencent à
Comme si j'avais pas remarqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai entendu un bouh. Bah, il est passé où, Alonso? D'accord, bon. Laisse tomber. Oula, j'ai raté mon virage. Allez. Bon bah j'espère qu'ils vont faire un bon arrêt. Je me demande où est-ce qu'il est passé à Alonso. Bizarre, je sais pas, j'entends un bouh. Ça doit être lui le bouh. Bon. 3-1, allez go. Ouais, ouais, t'inquiète, c'est prévu. On a un problème avec le DRS. Ah bah tiens. Comme par hasard. La voiture derrière a un aileron avant léger. Heureusement qu'il nous reste le kart, hein. Merde. Oh, c'est ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure. Et... pas facile de tout faire en conduisant. Voilà. Perfect. On est de retour là où on était tout à l'heure. Bon, bah maintenant on n'a plus qu'à résister, hein. Derrière a une seconde de retard sur toi, une seconde.
Ah, ça y est, mon car se remarche normalement. Le DRS, c'est pas encore ça. Putain, la première fois que je rattrape des retardataires. Bon bah il y a toujours une première. Hein. Première fois dans cette carrière où on double un retardataire. Bien. Surtout avec le si peu de distance de course. Enfin quand même 25%, hein, c'est pas mal quand même. Ouais merci. Sauf que je peux pas m'en servir mec. Donc ma voiture est partie dans le mauvais, ce cochon. Heureusement qu'on a du frein. Bon bah ça va, hein. Tranquille. Ouais.
Ça se passe bien pour l'instant. Ah bah on fait un bon tour en course là. Oups. Pas fait exprès. Oh là-haut. Et il va être casse-couille. Ah putain, mais qu'est-ce qu'elle a besoin de partir en tripette? Aucun. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est bah, c'est l'autre là qui a voulu me dépasser là dans un dépassement complètement suicidaire là. Ouais, mais moi j'étais dans mon virage, le mec s'il veut tenter des trucs impossibles. Les pneus sont cuits. Et voilà.
lancement ma trajectoire. Yes, pouf. Oh là là, mais c'est des fous, hein. Oh là là, bah voilà, j'ai réalisé un autre exploit encore, un troisième podium. Mais là, quand même, comme il disait là dans une vidéo, je sais pas si vous connaissez Alex Vidotest, et il fait ça avec McFury, une cop là. Et il disait que les IA étaient vraiment, mais beaucoup plus tarés. Alors déjà qu'en cop, ils sont hyper tarés, mais en normal, ils sont déjà beaucoup plus fous que sur le 12. Là, ils ont tenté des trucs comme Hamilton là. Bon, Alonso, je sais pas ce qui s'est passé. Tiens, je suis passé 6ème. Ah, ça c'est bon ça. Revenons à nos moutons. Genre, Alonso, bah, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, j'ai entendu un bouh. Bon, bah, apparemment, il a dû se carapater. Et Hamilton, je sais pas. Je prends ma trajectoire, je prends mon virage. L'autre, il monte sur les trucs et il se carapate. Puis il a un problème, lui. Je sais pas. Bon, après, il faudrait qu'il règle un petit peu. Bon, je pense qu'ils auront plus la possibilité sur PS4 de le faire. C'est que l'IA tente aussi des freinages un peu comme moi que j'ai fait, genre quand pour se défendre. Des freinages défensifs. Enfin, pour reprendre sa place. Que l'IA fasse pareil, c'est-à-dire qu'il tente des freinages plus longs pour essayer de, bah, de vous baiser, quoi. Plus familièrement, quoi. Donc là, bon, bah, quand même si c'est quand même des foufous, que c'est chiant, c'est vraiment beaucoup mieux que sur le 12. Parce que là, au moins, on s'amuse plus, quoi. Il y a plus la pression que sur le 12. Oh là là, la pression que j'avais, là. J'ai réussi mon troisième podium. Oh, ça fait du bien. Pouah. Oh, surtout qu'il m'avait dit de faire un exploit sur ce Grand Prix-là, j'ai réussi. Donc ça veut dire qu'ils vont réétudier notre position numéro 1 et numéro 2. Donc. Et voilà. Grâce à mon excellent Grand Prix, je suis passé en identique, c'est-à-dire qu'on a le même statut, lui et moi, c'est-à-dire que j'aurai les mêmes pièces au même moment que lui. Voilà, j'aurai les mêmes pièces au même moment. Donc ça, c'est des infos pour le machin. Données sur le défi, bah oui, 7 meilleures fois en course sur 2, 3 podiums à 0, là je le défonce, 6 meilleures qualifications à 3. Bon, lui, il a juste l'avantage des meilleurs tours. Bon, championnat, bon là, bah, fracassage. Troisième podium. Voilà, promotion, voilà. Il a, voilà, d'égalité. C'est un pas important dans la bonne direction. Toute l'écurie sera derrière vous si vous continuez sur votre lancée. On pourrait devenir le numéro 1. Le numéro 1, c'est-à-dire que, bah, ça serait l'inverse. C'est-à-dire que moi, j'aurai les pièces avant lui. Et lui, il les aura 2-3 grands prix après. Là, identique, ça veut dire qu'on aura les pièces au même moment, les mêmes pièces, les mêmes trucs. C'est à dire que là, bah, c'est déjà beaucoup mieux. Notre voiture, elle va pouvoir suivre le truc. Et notre prochain Grand Prix, c'est la Hongrie. Et ce circuit, je le kiffe. Donc, eh ben, j'espère qu'on fera quelque chose de bien. Eh ben, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré sa longueur, hein. Mais bon, ça, j'y peux rien. Ça dépend du jeu, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur Twitter si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, c'est comme vous voulez. Et donc, bah, moi je vous dis, portez-vous bien, passez une bonne journée, et puis bah, à demain pour GTA. Ciao tout le monde.